Pour le semis d'indigotier, donc je m'y suis prise en prenant les graines, en les mettant en sachet. J'ai mis le sachet au frigo pendant 2 mois. Vous pouvez très bien aussi vernaliser vos graines en les laissant en extérieur dans un endroit sec. Et ensuite, je les ai mises entre deux cotons humides dans une boîte recouverte soit d'un plastique, soit une boîte Tupperware qui ferme au chaud. Et au bout d'une semaine, même moins d'une semaine, j'ai des germes qui sont sortis, prêts à planter. Comme ça va être le printemps, c'est la saison idéale. Donc après mise en terre, je vous montre ça. Voilà, elles sont mises en terre. Il y en a 3 dans la bouteille. Donc il y en a 2 qu'on voit et un qu'on ne voit à peine parce que c'est un tout petit germe. Faut planter jusqu'aux premières feuilles dans une bouteille avec du terreau à semis, arrosé. Après, on referme la bouteille. Il faut pas scotcher la bouteille. C'est un semis en bouteille, mais il faut qu'il y ait quand même de l'air qui circule. Ou alors, il faut retirer le bouchon. Et là, ils vont bien pousser. Donc, on pose la bouteille comme ça. Il y a de l'air qui passe. On n'oublie pas d'étiqueter pour se souvenir que c'est bien des indigotiers. Et après, on attend 2-3 mois et on aura de quoi planter dans le jardin des jolies fleurs.